Ouais, survivant, bienvenue sur VLFR.gaming, on se retrouve, première petite vidéo sur nos nouveaux héros Gen 16, Génération 16, ça commence à faire beaucoup, ça nous fait énormément de héros. Donc, on va aller maxer tous les héros un par un, on est sur le PTR, comme ça, ça va nous permettre de voir un petit peu tous les effets maxés, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo où on maxait les héros ensemble. Donc, on est parti, on va commencer avec cette première vidéo avec Choucon. Donc, notre héros infanterie, si je dis pas de bêtises. Notre héros infanterie. Donc, on va aller le maxer pour voir un petit peu toutes ces statistiques finales. Donc, on est sur le premier cerveau, le cerveau bleu, donc juste avec des potions. À partir du dernier niveau, on va nous demander des fragments. Normalement, quelque part par là, sur l'écran, je vais vous mettre les tableaux des héros avec le nombre de fragments et de potions qu'il vous faut pour pouvoir les maxer et les différentes étapes à atteindre. Donc, on vient de débloquer la nouvelle apparence. Vraiment sympathique, futuriste, coloré, j'adore beaucoup. On débloque le premier cerveau violet. Donc là, on est parti où on a tout le cerveau violet. Et c'est là où ça va nous demander quand même pas mal de fragments, donc on en a 9 x 3, là je crois que c'est encore du 9, de toute façon on va le monter ensemble, donc du 9 x 3, ensuite on a encore avec des 9 fragments, 60 potions, ce niveau là, donc toute cette ligne là en fait, ça va être 9 fragments, ici on va commencer à passer à du 12 fragments, donc on a 3 paliers à 12 fragments, ici 12 fragments, 80, toute la ligne ça va être du 12 fragments, hop, 80 potions, 12 fragments, 80 potions, 12 fragments. Et ensuite, on a les 3 derniers niveaux. Donc là où ça nous demande 90 fragments et 600 potions. Donc c'est pareil, on va les maxer les 3 niveaux. Ça nous permet de débloquer la dernière apparence, ainsi que le petit effet rouge. Donc là, le premier cerveau vous permet de débloquer l'apparence du héros. Le cerveau violet vous permet de débloquer la petite vignette en rouge. Et puis ensuite, on a les derniers skills. Donc, pareil, qu'on va pouvoir maxer. Hop. Donc, 70. Donc, 70 fragments. C'était 100, c'était les anciens. 70 fragments par niveau. Donc, hop, on est parti, on maxe tout ça. Et bien évidemment, la seringue au dernier palier qui va vous permettre de débloquer vraiment le skill en entier. Et le troisième, hop, on est parti. Donc, la puissance de troupe est restaurée par 33,75% de TAM. Ok, bon, et ça monte. Donc, alors, comme vous voyez, hein, on gagne pas énormément. C'est vraiment pas une priorité de maxer les skills d'un héros. Là, on est vraiment, voilà, si vous voulez vous faire votre kiff, maxer votre héros, l'avoir avec la petite vignette bleue, le petit côté égo. Mais honnêtement, la différence de statistiques entre du niveau 1 et du niveau 10, elle est vraiment minime. Ça vaut pas tout ce que vous allez dépenser. Donc, voilà, héros maxé. Donc, on se retrouve avec des statistiques finale de 2707,29% en attaque et en défense d'infanterie. Ensuite, on a ennemi settlement troupe défense. Donc la réduction de la défense ennemie de 31,80% et la settlement troupe attaque de 63,50%. Donc vos statistiques d'attaque. Infanterie, létalité 158%, bien évidemment, ça c'est vos gars. Ensuite, vous avez possibilité de mettre tous vos équipements. Donc vos équipements qui vont vous rapporter aussi énormément. Vous voyez, là on est déjà passé à du 3032% en attaque d'infanterie. Hop, là c'est pareil, on va en mettre un Edge niveau 4. On passe à du 3032%. C'est juste énorme. Des gears vous font gagner 300%. Donc, par exemple, là, si on l'enlève,
On va se retrouver à du 2700%. Si je dis pas de bêtises, je dois avoir Robert ici de maxé. Robert avec les meilleurs skills, normalement, devrait pouvoir atteindre les 2700%. Donc, ça permet avec les nouveaux Tempête Arms de pouvoir monter un héros qui est plus faible et pouvoir le maxer au même niveau qu'un autre. Par contre, bien évidemment, bah, si vous mettez vos meilleurs gears sur Choukon, forcément Choukon sera meilleur. Donc voilà, première petite vidéo présentation de nos héros Gen 16. Mais il est passé où en fait? On le voit même plus. T'es où? Il a disparu? Où est passé notre Choukon? Il est ici. Donc voilà, 2700%. Et puis on verra ensuite, vous avez les skills. Pareil, on fera une autre vidéo où on ira les tests pour voir un petit peu ce que ça donne. The Edge of Choukon Sword. Tous les deux tours lance une attaque qui attaque les deux premières lignes ennemies. 16% de damage. Ok. Passive skill. Il absorbe 36% des dommages. Ok. Ça a l'air d'être pas mal aussi. Oh là là, ça c'est le skill pourri qu'on n'aime pas tous les deux tours. Les pouvoirs de Choukon Troop sont restaurés de 36% après tous les deux tours. Son effet est augmenté de 10% jusqu'à la fin de la bataille. Ça peut être une dinguerie, j'allais être mal poli et dire un gros mot, mais ça peut être une dinguerie ce skill. Parce que tous les un tour, vous savez qu'un combat, vous avez en moyenne 60 tours. 60 fights. Donc tous les 1 et 2 tours, restaurer 36%. On va prendre un petit screenshot. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. On va vous faire prochaine vidéo pour aller maxer Marcos et Miss Lan. Et puis on ira faire les tests après tout ça. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un commentaire et de vous abonner si vous voulez pas que je vienne vous brûler ou que je vienne vous fouetter avec Miss Lan. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, survivants!